mes chers internautes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les amis, on est sur Kryptonia. En fait, je vais vous dire très franchement, c'est un nouveau serveur qui est ouvert. Je me promenais tranquillement, paisiblement dans la nature. J'essayais juste de voir un peu comment c'était le serveur. Et en même temps, j'écoutais le Baited Podcast. C'est un podcast. J'adore les podcasts, si vous savez pas. Et c'était un podcast qui avait sur YouTube. Donc, j'ai décidé de l'écouter. Et puis, pendant que je me promenais, j'ai tombé sur ça. Puis, ben, je sais pas trop, les amis. On va quand même. J'ai envie de les voir, mais j'ai pas envie de rester coincé. Donc, on va sauter. J'ai mis un home à l'extérieur. Ça a l'air d'être une farm à melons. Est-ce que je peux remarquer? Il n'y a pas de petit exit ou de trucs où est-ce qu'on peut descendre. Et si on descend là. Je pense pas qu'on aura le moyen de descendre, hein. C'est juste. Attends. Non, what the fuck. On va essayer de sauter d'abord ici. Ah, je pense qu'on a éteint la machine. Ouais, on a éteint la machine, donc ça c'est bon déjà. Et si on saute ici, ça fait quoi? Ah, ok, il y a une porte. On va play. Oh, what the fuck? Ok. Ça c'est un anti-AFK. En gros, le gars il récupère les melons. C'est claim par trash. Oh. F-show trash. Ok, Monsieur Gunpowder, Caris, Ezen, Sky Ducks. Je connais aucun. Désolé, mon Discord vient de partir. Hop là, on peut descendre ici. Ok, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh my god, c'est juste une farm. Oh, il y a des coffres là. Mais c'est claim, fait qu'on peut pas les ouvrir. D'autres coffres là. C'est quoi ça fait ça? What the fuck? Ok, dans le fond, le gars il a set up plein de petites machines, j'ai l'impression. C'est genre une. What the fuck? Il y a une farm à citrouille. C'est quoi qui est marqué? Utiliser quand tout est poussé. Tout est poussé. C'est moi qui en ai choisi ici. En plus, c'est pas très loin du spawn. Enfin, je crois pas. C'est genre. Attendez, F3. C'est en. Ouais, c'est quand même pas si loin du spawn. What the fuck, les amis de l'internet? What the fuck? Il n'y a pas d'œuf de creeper sur ce serveur-là, par exemple, c'est qui est plate. Oh shit, ça continue. Oh my god, les gars, on a trouvé une des plus grosses farms du serveur. Loul. Oh my god, what the fuck. Est-ce que je devrais laisser un home ici à l'intérieur? Non, je peux pas laisser de home vu que j'ai pas de grade VIP. Comme je vous dis, je suis joueur normal. Quoi. Je viens juste de me connecter. Je cherchais vraiment un serveur pour jouer. Dans le fond, je voulais faire un. Un let's play sur un serveur, puis là je trouve comme ça une des plus grosses farms du serveur, ben selon moi, là, peut-être que j'ai pas vu les farms. Le serveur est ouvert ce week-end, on est lundi aujourd'hui. Donc je sais pas du tout. Ouais, je sais pas du tout. Mon ami, mes amis de l'internet, là, pour être avec vous, je sais pas, on devrait-tu laisser un home ici ou pas? Parce que dans tous les cas, on est coincé ici, genre. Ouais, on va laisser notre home out, mais il faudra l'utiliser pour sortir d'ici. Je vais continuer à m'éloigner. Et puis, ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut faire une vidéo pour avoir un grade YouTuber. Là, ou sinon, il faudra que je demande Ice Sweet. Mais sinon, ouais, c'est vraiment un super de launcher. Je vais juste espérer pas mourir. Ok, on va prendre une pomme. Il y a une autre descente ici. Oh, ouais, on a même fait un petit pont. Attends, on va suivre le petit pont. Peut-être qu'il y a quelque chose. Oh, pareil. On va suivre le petit pont. Ok. Donc, ouais, c'est un super le serveur. Regardez, je vais juste genre vous montrer des trucs que j'ai trouvés. Donc, mettons, je dis oui, comme ça. Genre, c'est plein d'animations stylées. J'ai trouvé aussi ça. Ta-da-ta-ta, Gangman Style. Il y a plein d'animations que vous pouvez... Oh, non, non. Oh, j'allais tomber. Il y a plein d'animations qu'on peut faire. Il y a plein de trucs qu'on peut faire sur le launcher. Je trouve que le launcher est vraiment complet. C'est, selon moi, un des meilleurs launchers, franchement. Genre, avec OpsiFight, là... Genre, c'est vraiment, selon moi, dans le top 3 des meilleurs launchers, là. Je dirais... Kryptonia, OpsiFight, puis après ça, ben là, j'ai pas vu les autres serveurs qui arrivent bientôt. Je pense qu'il y a Everfight qui réouvre bientôt. Il y a plein d'autres serveurs qui réouvrent bientôt. De toute façon, vous savez, durant les vacances, il y a tout le temps plein de serveurs qui ouvrent. Mais selon moi, dans les launchers, c'est vraiment Kryptonia et OpsiFight, c'est vraiment ceux qui sont le mieux développés. Donc, c'est pas tout ce qu'il y a. J'ai découvert aussi d'autres trucs que je voulais vous montrer. Donc, attendez, c'était ici. L'HDV. Vous recherchez par exemple la stone. Donc on peut. Oh, il y a personne qui vend de la stone. Ouais, il y a des gens qui vendent de la stone. Donc on peut voir toutes les offres qu'il y a. On peut cliquer sur l'offre qu'on souhaite acheter. Et ensuite on peut l'acheter. Par exemple, on va acheter ça. On en a acheté une. Vous voyez. Mais. Oh. Non! Ok, ben c'est pas grave. La base est par là.
Faut que j'arrête de faire ça. Ah, ok, non, non, ouf. Je croyais que je n'étais mon homme. Oh là là! Ensuite, il y avait les accessoires. Donc, on peut avoir plein d'accessoires. On peut avoir de. Genre, j'ai vu la vidéo de Kalan, genre. Tu peux avoir plein d'accessoires en même temps. C'est vraiment cool là-dessus. Ça, j'en ai pas. Mais ouais, la HDV, je trouvais ça vraiment stylé. Parce que tu peux choisir l'offre que tu veux. Tu peux acheter la quantité que tu veux, etc. Bref, je trouvais ça vraiment propre. Ensuite, il y a un wiki comme. Comme voilà, comme vous savez, genre, ce qu'on peut voir comment crafter les trucs, ça c'est cool. Il y a aussi un truc que j'avais eu dans la vidéo de Kalan, c'est un truc de spawner. Quand vous avez des spawners, genre, vous pouvez les échanger avec les transformer en tokens de spawner et puis ensuite les échanger. Il y a vraiment plein de cool stylés. En plus, la map, c'est une map custom, comme vous pouvez voir, on se promène en ce moment dedans. Il y a vraiment énormément de trucs qui sont géniaux sur ce serveur-là. Là, je les avais tous en. Enfin, je les avais tous. J'en avais quelques-uns en tête, mais là, je les ai genre oubliés. Mais il y avait plein de trucs que j'avais vu qui étaient vraiment cool. Il y a vraiment aussi un truc stylé, c'est que quand ils ont des votes, par exemple, je sais pas moi, vous votez, je sais pas moi, vous votez 5000 fois, ben à chaque 5000 votes que tous les joueurs font, ils ont des trucs, comment on appelle ça, genre des rewards. Tous les serveurs en bénéficient, donc par exemple 20% sur la boutique, ou je sais pas moi, tout le monde va gagner, je sais pas, un kit spécial, des trucs comme ça qui est cool. Quand vous faites juste voter, puis genre, juste en apportant votre aide, vous allez pouvoir peut-être avoir une récompense. Même si vous votez juste une fois, vous allez quand même avoir un truc, quoi. Donc ça, c'est stylé. Et puis même si vous votez pas, ben vous allez l'avoir, mais c'est quand même pas gentil de pas voter, là, je vais voter. Aussi, genre, le site est tellement propre, les amis, je veux dire, le site est propre, tout est vraiment propre sur le launcher, il y a tellement, genre. Je sais pas qui crée leur launcher, genre, mais c'est tellement propre les affaires qu'il y a sur ce launcher-là. Donc, oui, c'est les animations, c'était. Attends, c'était où les animations? Contrôle, je crois, ouais. Donc, il y a plein de trucs. Moi, j'en ai mis les applaudissements, Gangnam Style, mais on peut jouer de la guitare. On va essayer ça. On va faire Numpad 4. Les visualisations, on va faire genre 6. Pensée, on va faire genre 3. 2. Puis ils ont bien fait un genre. Qu'on va tester ça. Genre, je trouve ça vraiment intéressant. Il n'y a presque aucun autre truc qui fait ça. Ok, là on est dans un genre de zombie. Ok. Puis je pense, genre, ils se désactivent en PvP. Hein, quand vous êtes en combat, comme vous pouvez voir en haut en combat, oui ou non. Ben, ça se désactive quand on est en combat. Numpad 2, c'est un genre de guerrier. Ok. Numpad 3, c'est un genre de salut. Comme, genre, les gens à l'armée. Ok. On fait l'étoile. Ouh, on est sexy. Le 4. Oh, oh, oh! On dirait qu'on se masturbe. Oh, oh, oh! What the fuck? Vous avez vu, on dirait qu'on se touche la bite, mec. Bref, bref, bref. Je vais m'éloigner. Je sais pas si vous voulez un let's play sur ce serveur-là. J'ai déjà un let's play sur Obsidian en ce moment. Fait que je sais pas si ça vous dirait vraiment. J'avais juste envie de jouer comme Exus sur le serveur. Puis finalement, ben, j'ai trouvé cette petite farm-là qui est quand même une super de belle farm. Ah, je me suis dit, ben pourquoi pas vous la montrer. Et puis voilà. Ouh, il y a des petits bugs de chunk ici. Donc je vais continuer mon parcours, les amis. Et puis voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez ça. Avoir un petit let's play. Moi, ça me ferait. Oh, ma tête de Wither. Ah oh, oui, justement. Ah, oh, ça, je l'ai eu tantôt en fait. Oh my god, c'est comment qu'on fait ça déjà? Comme vous voyez, j'ai joué vraiment un peu avant. Oh my god, c'était quoi? Ah oh, oui, c'était dans le kit. Kit ticket. Il y avait un ticket, ok. En gros, à toutes les 24 heures, vous avez un ticket de loterie. Genre, tu sais, les genres de trucs de gratteux qu'il faut gratter et tout et obtenir des récompenses. Ben, c'est genre super bien fait, mec. C'est genre une loterie et tout. C'est super, super de bien fait. Je sais pas c'est quoi là. Oh, oui, c'est ça. Donc, en gros, c'est tous les trucs qu'on peut gagner dans le ticket gratuit. Mais ça, c'est le ticket sur la boutique. Donc, on a le ticket gratuit. Moi, j'ai gagné ça. Il y a une table de désenchantement aussi. Il y a plein de trucs stylés. J'ai vraiment hâte qu'on. Si j'ai vraiment hâte de jouer dessus, puis débloquer les nouveaux trucs, on pourra même. Je pourrais même vous montrer un truc que j'ai vu qui était vraiment cool. Par exemple, attends. Ok, on va se mettre ici sur la tête. Donc, quand vous cliquez par exemple sur une personne, on peut voir toutes ces infos. Donc, ça, c'est comme avant. Sauf qu'on peut aussi voir les infos de la faction. Donc, par exemple, si on clique sur la faction, on clique ici. Là, on pourra voir, exemple, les membres. On pourra aussi voir qui est en ligne, hors ligne, etc. Et on peut même mettre une image, en gros. Qu'est-ce que ça va faire, l'image? C'est qu'à côté de votre pseudo, genre, attends, j'aimerais ça. Peut-être au spawn, il y aura peut-être quelqu'un. On va aller voir. Ok. On va juste faire ça. On va récupérer la tête de Wither parce qu'on sait pas si c'est rare. J'espère qu'au spawn, il y aura quelqu'un. Je pourrais vous montrer. Ouais, quand, comme. Oh my god.
Ben, lui, il n'y a pas de faction, j'imagine, mais quand vous. Vous voyez à côté comme vous voyez, c'est. Ah oh, oui, regarde, vous voyez sa faction. Lui, sa faction, c'est FFNS. Je crois que c'est ça sa faction. FShowNS. Ouais, voilà. Quand, là, on peut voir sa faction ici. Puis s'il a mis une image, donc lui, je crois pas qu'il ait mis d'image. Donc, il a pas mis d'image dans le truc que je vous ai montré juste avant. Comme genre. Attendez, il est où? Il est où l'autre dieu qui avait parlé? Lui. Comme lui, eux, il a mis une image. Donc, par exemple, si on va à côté de lui, on va pouvoir voir cette image-là qui va apparaître à la place du NS. Ça va marquer l'image plus NS. Ça, c'est quand même assez cool. Ensuite, on peut pour remouvoir ou désautoriser quelqu'un, par exemple. Je vais vous montrer. Okay. F-create Chira. Ok. Là, on fait F tac-tac. On parle ici dans le chat. Là, ici. Ok. Essayez jamais de mettre une image en plein écran. Ça marche pas. Donc ouais, en fait, je joue à Minecraft en plein écran, fait que ça a fait tout crash mon launcher, etc. Mais bon, voilà, vous avez compris le but. En plus, bon, il y a plein de trucs inédits sur le serveur que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure. Mais bon, comme vous voyez, mon truc a crash, mais on garde quand même les logs de l'ancien chat. C'est bien fait ce truc-là, je trouve. Est-ce qu'on peut écrire en couleur et tout? Je vais pas cliquer sur les affaires pour pas que ça crash encore. Mais bon, voilà. On va se téléporter à la tourment. Ah, ok. Ben. Ah, ok, je peux pas utiliser encore la commande vu que je l'ai déjà utilisée. Mais si je fais ça, je peux pas l'utiliser. Si je fais ça, je peux pas l'utiliser non plus. 18 de flûte. Bref, les amis, en espérant que la vidéo vous a fait plaisir, on a pu voir une des, selon moi, les plus grosses bases du serveur. Mais ça se peut que ce soit pas le cas, mais selon moi, c'était quand même une bonne base. Dans le sens que, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais là, je veux dire, genre, ouais, c'est pas mauvais. Après, il faudrait voir où est-ce que le claim se termine, genre. Ok, on pourrait. Ok. Non, on peut pas raid, genre. Fmap. Ouais, le claim est quand même assez. Ouh, attendez, là, les amis. Les bords drettes, c'est eux. Les bords ici. Ok. Ouais, c'est ça. Là, ici, on est dans la wilderness, je pense. Même pas. On est dans leur claim. What the fuck. Mais là, ici, il y a quelque part ici qu'on n'est plus dans la wilderness. Si je sais bien lire la map. Ouais, ici, on est dans la wilderness. Fait que genre. Ici, on va claim. F-claim. Puis on va pouvoir. Ok, on peut main build sur le bord ici. Fait que regardez. On pourrait péter une TNT là. Puis on rentrait direct dedans, man. What? C'est dommage qu'on ait pas de kit ou rien. Fuck, fais chier, man. Fais chier, man. Bon, c'est pas grave, les amis. C'est la vie. J'achète level. Et spawn un zombie. Ok. Oh my god. Bref, les amis, l'IP est dans la description. Venez me rejoindre. J'ai claim ici. On va sûrement s'en occuper de cette base plus tard dans notre aventure. Mais garde, je veux dire, on verra bien. Peut-être qu'il y a de la merde dans le coffre. Peut-être que non. On verra. On n'a rien à perdre à part si on a de la TNT. Si un admin de Cryptonia écoute la vidéo, s'il vous plaît, un grand YouTuber, ça serait vraiment gentil avec, bien sûr, le kit pour faire ceci. Sur ce, les amis, on se retrouve très bientôt. C'était un compte du passé. Une excellente fin de journée. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Je vous aime. Ciao!